Je m'appelle Léa, je suis née à Madagascar et j'ai été adoptée à l'âge de 7 ans par une famille française. Je voulais participer au programme de volontariat pour justement retrouver mes racines, les coutumes de mon pays d'origine et les façons d'être malagasse. En même temps, j'ai souhaité apporter une contribution au développement de Madagascar, aussi modeste soit-elle. Ici à Madagascar, j'ai été affectée dans la commune rurale de Mantassou. J'ai beaucoup discuté avec les conseillers pour connaître l'histoire de la commune et aussi connaître le fonctionnement de la vie administrative. Ici, j'ai travaillé avec les enfants et organisé des activités éducatives et ludiques dans le but de révéler et développer leurs nombreux talents. On a monté des ateliers de dessin, de danse, de chant, et nous avons également fait des jeux dans le hall de la mairie de Mantassou. Et ensuite, nous avons fièrement exposé tous les travaux des enfants. Nous avons imaginé un lieu pour que les personnes de tous les âges puissent se retrouver. Nous avons donc développé, à côté du boulodrome de la ville, une zone de jeu traditionnelle, une marelle et une balancelle pour les plus petits, et un espace jardin potager pour que les enfants puissent planter des légumes. Le temps dédié aux loisirs des enfants ici à Mantassou, comme partout un peu à Madagascar, est très limité parce que bien souvent la population a un niveau de vie assez faible et donc les enfants contribuent aux tâches ménagères quand ils ne sont pas à l'école. Par contre, malgré l'inexistence d'activités de loisirs, les enfants ont toujours le sourire et ils sont beaucoup et très créatifs. Nous avons aussi conduit des échanges linguistiques en français malagasse à travers des ateliers informatiques. Et ça a été très émouvant pour moi parce que dans les échanges quotidiens avec ces jeunes, j'ai un peu retrouvé la jeunesse malagasse que j'ai perdue lorsque j'ai été adoptée, puisque mon adoption est une adoption plénière, ce qui signifie qu'il y a eu une coupure totale entre les origines et la nouvelle vie en France. C'est difficile à expliquer ce que je ressens parce que j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Beaucoup d'enfants qui sont ici à Madagascar n'ont pas eu la même chance que moi. J'étais très impressionnée par la confiance des jeunes, de notre soutien mutuel, de l'ouverture d'esprit qui existait ici pour me donner librement le temps de renouer avec mes racines.